Bonjour, je suis Fares Ladjimi, je suis producteur du film Ashkal, qui est en sélection à la quinzaine des réalisateurs, et je suis diplômé de l'ESEC 2001. C'est le troisième film que je présente au festival. J'ai eu un film à un certain regard en 2009, un film à la semaine de la critique en 2013, et cette année, donc un film à la quinzaine. Je produis essentiellement de la fiction, après je fais aussi essentiellement de la fiction du long métrage, cinéma. Je fais pas de télé, je fais essentiellement du cinéma. Après je fais aussi quelques documentaires, mais c'est vraiment très choisi et très précis, mais je m'oriente plutôt sur la fiction en fait. Cannes, c'est une très belle rampe de lancement pour les films en fait, c'est surtout ça. C'est à faire connaître les films avec une première mondiale à Cannes, c'est un peu la meilleure façon de donner le plus de chances aux films d'exister et de rencontrer le public, de se vendre à l'international, de faire d'autres festivals aussi, parce que malgré tout c'est un peu ça aussi qui engrange la suite. Ce qu'on retire de Cannes, je pense déjà au départ c'est de la fierté, être reconnu par ses pairs aussi, enfin il y a un truc comme ça, et puis être montré pour la première fois dans un endroit comme ça, c'est super. Ce que je peux dire aux étudiants qui veulent se lancer dans la production, c'est plutôt pas trop écouter ce qu'on leur dit et que c'est un métier difficile, et du coup moi ce que je leur dirais c'est d'être inconscient et d'y aller.